partie là-bas avec des liens pour travailler dans une famille. Elle s'occupe des grands-parents qui habitent sous son appartement. Elle habite dans son appartement. Elle s'occupe aussi du ménage dans toutes les maisons des enfants. Et aujourd'hui, ses deux enfants parlent le français, l'anglais, l'italien, la langue d'origine du Nigeria et l'italien couramment. Voilà. Afrin et Selvete sont à Strasbourg. Et ils sont maintenant quatre dans la famille à travailler, les deux parents et les deux aînés. Et les plus jeunes sont en scolarité et bien partis. Voilà. Anna, vous savez, est en master de droit à Vannes. C'est quand même pas n'importe quoi. Elle connaissant sept langues, elle voudrait être traductrice dans le juridique. Voilà. Abou. Pour ceux qui l'ont connu, à Bou et à Nantes, il travaille. Il a eu des problèmes pour sa carte de séjour parce qu'il est passé de carte de séjour parent d'enfant français à carte de séjour travail. Et le jour où il avait rendez-vous à la préfecture de Nantes, il s'est présenté au bureau habituel et il a appris à l'heure de son rendez-vous que c'était déménagé à l'autre bout de Nantes. Mamadou du Mali, notre petit Mamadou du Mali, va le 3 juillet à Lyon chercher sa carte NINA, puisque le Mali c'est spécifique, et il aura la possibilité de déposer sa demande de passeport le 3 septembre à Paris. Donc il vit dans le Morbihan, dans une famille. Et Igratoula, un Afghan qui avait été débouté du droit d'asile, a enfin obtenu sa carte de séjour et travaille à Lorient.